Lundi 27 décembre 2021, Cyril Lignac était de retour sur M6 avec un nouveau numéro de Tous en cuisine. Pour l'occasion, il a reçu Ophélie Meunier, laquelle se faisait discrète depuis son accouchement en octobre. Durant l'émission, la journaliste a d'ailleurs évoqué son deuxième enfant et a été perturbée par son aîné. Lundi 27 décembre 2021, Cyril Lignac a récupéré l'antenne sur M6 pour présenter un nouveau numéro de Tous en cuisine et toujours dans l'esprit festif. Mais entre Noël et le nouvel an, le chef a décidé de jouer la carte de l'équilibre. C'est pourquoi, il a guidé les téléspectateurs et ses invités à préparer un velouté de cresson au curry ainsi qu'une tourte de cabillaud aux légumes. Un menu très healthy donc qui a quelque peu déçu sa guest Ophélie Meunier, laquelle aurait préféré un repas un peu plus gourmand. Qu'à cela ne tienne, c'est avec beaucoup de rigueur et de sérieux qu'elle a suivi les instructions de Cyril Lignac, même lorsque son fils Joseph, 2 ans, se trouvait dans les parages. En effet, alors qu'elle était très concentrée derrière ses fourneaux, le petit garçon a réclamé son attention comme on pouvait l'entendre dans le fond, scandant maman à plusieurs reprises. « Il y a du monde chez toi là », a forcément remarqué Cyril Lignac. Et pour lui de demander, il y a combien d'enfants? Au moins 2, a donc répondu Ophélie Meunier amusée, elle qui est également maman d'une petite fille, née le 14 octobre dernier. La journaliste de 34 ans a d'ailleurs brièvement évoqué son bébé, rappelant à Cyril Lignac et son acolyte Jérôme Anthony qu'il n'avait pas du tout visé juste lors de sa dernière participation à Tous en cuisine, alors qu'elle était enceinte. Tu te souviens à quel point tu étais sûr, enfin vous étiez sûr avec Jérôme, que c'était un garçon. Vous me faisiez rire parce que vous me disiez Ophélie, montre-nous ton ventre. Oh c'est sûr, c'est un garçon. N'importe quoi les mecs, c'est gentiment moquer la jolie brune. Et de reconfirmer qu'elle avait bien donné une sœur à Joseph, c'est une petite Valentine, elle est trop mignonne. Entre de petites confidences et l'intervention surprise de son fils, Ophélie Meunier a tout de même su garder son sérieux, ne cachant pas avoir été larguée à plusieurs reprises lors de la préparation de la recette. Rappelons que l'animatrice de Zone Interdite a accueilli ses 2 enfants avec son mari Mathieu Vergne.